commences déjà tes conneries. Tu veux y aller à pied? Il y a quand même une différence entre voler une voiture et y aller à pied, non? Donne-moi une seule raison valable pour refuser. J'ai pas envie de retourner en tôle. Je veux juste, quand je fais un coup, c'est pas pour m'en sortir en bonne santé. Et pour le réussir et pas finir en tôle. Tu me gonfles avec ta tôle. Tu veux m'apprendre à nager, lui? Mais non, c'est toi qui vas apprendre à nager aux autres. Tu es malade ou quoi? Je sais pas nager, moi. Et alors, c'est pas toi qui es dans l'eau? Enfin, qu'est-ce que vous faites dans la vie, tous les deux? Moi, rien. Et toi? Moi, je l'aide. Ah bon, il me demande si je sais faire du ski. Et comment ça, out? Ah non, mais sur la vie de ma mère, je rêve. Je rêve ou quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé. Oh, le con. Dis-moi, Paul, tu peux me rendre un service? Dis toujours. J'ai une affaire urgente à négocier. Je viens. Elle arrive. J'essaierai pas de me draguer, des fois. Si. Mais fais attention, ma fiancée est jalouse. On est là pour débattre de problèmes de cul, t'as quelque chose de plus sérieux à nous dire? Julius, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 100 millions? Ça dépend qui ils sont. Bon d'accord, on fait pas le coup, admettons. Alors explique-moi comment tu vas vivre, surtout avec Milka. Je vais travailler. Toi? Tu vas travailler? Officiellement. Mais tu sais même pas comment ça s'écrit. Tu les as connus comment? Bon, il y a 300, ils sont tombés dans mon lit. Tous les deux? Toi. On fait gaffe. Si on remplace les vrais par des fausses, Moretti peut faire son expertise sans se mouiller et sans indisposer sa dit. Et qu'est-ce qu'on y gagne? À part les emmerdements, bien sûr. Là, ma chère, vous avez le chance. Il oui. Bonjour, la chance. Tu veux toujours essayer de les contrôler? Plus que jamais.